C'est hyper aléatoire. J'ai pris Yesayer. C'est le premier album, je crois. Il y a un titre de ceux qui m'a hyper marqué, c'est Ambling Alps, parce que c'est un clip de mes amis qui s'appelle Radical Friend. C'est un de mes clips préférés au monde. Et en plus, l'album est hyper bien produit. Et je me suis pris une bonne claque sur le dernier aussi, qui est assez dingue en production. Eden de Disney Puritans, parce qu'évidemment c'est un peu la même famille, on se connaît bien, ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble en plus. Pour moi c'est vraiment tout ce que j'aime en musique, c'est ce mélange d'art contemporain et de musique classique et de sonorités hyper futures en prod. Voilà, on nous a souvent associés, ça fait sens, parce que c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup et j'espère qu'on va arriver à travailler ensemble bientôt. Ensuite, Tahiti Boy, c'est un peu de la promo parce que David Tahiti Boy a fait les pianos, une partie des pianos sur mon album. C'est un très bon ami et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très talentueux. Voilà, et puis il est petit comme moi. Ensuite, j'ai pris Beyrouth. Le Flying Club Cup, c'est un album qui m'a vachement marqué parce qu'évidemment, il y a la musique balkanique, il y a tout ce qui fait un peu ma musique. Et puis Nantes, c'est une de mes chansons préférées. C'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ce disque parce que j'avais pas de disque de Dolly Parton, mais voilà, la pédale en moi adore Dolly Parton. 9 to 5, c'est ma chanson préférée en boîte. Je sais pas si tu te rappelles, Pierre, on l'a joué à cette soirée incroyable des Arocs, et les gens sont devenus fous. 9 to 5, c'est la chanson à jouer en boîte. Then I jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job. From 9